Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons découvrir Smash, un service équivalent à WeTransfer. La différence, c'est qu'il est français. Les inventeurs de ce service et les gestionnaires sont basés à Lyon. Vous n'avez pas besoin de vous enregistrer, il est sans publicité, gratuit. Alors vous me direz comment est-ce qu'il se finance? Eh bien, il propose également une version pro pour les entreprises. Nous allons utiliser ce service. Donc vous voyez, il suffit de se connecter. Vous tapez Smash dans votre navigateur. Il va vous proposer cette adresse fromsmash.com. Alors contrairement à ce qu'indique le nom, hein, le service est en français. Hein. Donc il suffit, vous voyez, de glisser-déposer ici des fichiers. Donc ici, vous voyez que j'ai une page de journal hein, qui fait 10 mégas. Voilà. Donc l'email de mon contact, eh bien, vous voyez, je vais mettre plutôt ici un lien. Donc page de une. Voilà. Mon email, eh bien, on peut mettre ce que l'on veut, hein. Et puis, vous voyez, il suffit de cliquer sur Smasher pour avoir le lien. Donc, contrairement à WeTransfer, on n'a aucune limite de taille. Et votre fichier est gardé pendant 15 jours. Alors, je clique, voyons, je suis obligé de mettre mon mail. Et voyez, voilà. Donc ici, nous allons copier le lien. Et il vous suffit ensuite, dans votre logiciel traditionnel de courrier, hein, d'envoyer tout simplement le lien à cette personne. Voilà, je copie le lien. Il suffit ensuite d'envoyer à cette personne qui aura jusqu'à 14 jours pour pouvoir télécharger le document que vous lui aurez envoyé. À bientôt pour un autre tuto.